Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de Urban Empire. On continue notre aventure aujourd'hui. Donc, lançons le temps, enlevons pause, x2. C'est parti, un petit train. La photographie est une pratique d'envoûtement qui vise à s'assurer la possession de l'être photographié. Michel Tournier. Donc, ça nous donne le droit à l'espionnage, magasin d'ameublement, le théâtre et le photographe comme nouvelle boutique, l'arbre de technologie. On va débloquer maintenant les droits de l'homme. Lancer pour finir l'ère numéro 1. J'ai hâte d'avoir fini l'ère 1. Tutoriel-là va. Je vais arrêter. On va espionner tout le monde, c'est correct. On va espionner. Espionner, ça va aller retourner à l'écran de ville, c'est bon. Donc on fait 44 000 $ par mois. L'argent continue à monter, donc juste regarder. Qu'est-ce qu'on pourrait bien améliorer? On a les lumières ici, les lumières là. Dans ce secteur-ci, on a quoi? Modifier le quartier. On est déjà rendu en moyenne, c'est quand même, c'est bon. Donc, c'est correct, on a déjà tout ici, correct. Est-ce qu'on a des postes de police à quelque part? Ouais, on a des postes de police là. Est-ce qu'on a les écoles? Est-ce qu'on a une clinique? On a une clinique là. Et si je me rappelle, je m'étais trompé, j'avais mis une église là. Donc on a tout ce qu'il faut. Donc on va canceller ça, je vais regarder ici, je vais juste voir, modifier le quartier. C'est correct. Oh, on n'a pas l'eau ici. Donc on va ajouter l'eau et les égouts. Ça m'a coûté 19 000 $, puis ça m'a coûté quasiment 1 000 000 $. Donc on va confirmer l'infrastructure, confirmer ça. Proposer le quartier, tout le monde veut, on va faire ça, un vote rapide. Donc c'est voté au conseil. Donc, il est par présent proposé qu'il soit interdit de travailler pour les enfants de moins de 10 ans dans certains métiers. Donc, on va soutenir ça. Une loi qui pourrait interdire l'emploi d'enfants de moins de 10 ans pour certains pour des travaux dangereux. Le prophète Joseph Smith a été lynché. Disparition d'une relique. Soulèvement à Vienne. Donc c'est correct, on va venir voir ça ici. Ça devrait passer. C'est important de pas tout tanker notre soutien présentement. Donc c'est pour ça que je vais tranquillement pour l'instant, lorsque j'ai des choses de même. Oh, modifier le quartier qui est arrivé. Donc, commencer le vote. Ça devrait passer sans problème. Et voilà. Trois personnes qui voulaient pas avoir les égouts dans ce quartier-là. Tout est correct. Les parties sont correctes. Donc, on a juste du résidentiel ici et un petit peu de commercial. C'est ici. Je vais regarder si j'avais mis de l'eau et les égouts ici. Confirmer. Est-ce que ça va passer? Confirmer. Confirmer. Proposer vote prioritaire. Ok, ça devrait passer sans problème. Droit de l'homme. Gazette, la récession frappe le monde entier. Ok, leader est utilisé comme anesthésie chirurgicale. Les docteurs se lavent les mains avant la manipulation des cadavres. Ou après qui est écrit, sûrement. Droit de l'homme, right of the man. L'administration de la ville s'intéresse à la façon dont les droits de l'homme sont traités dans les villes modernes. À quoi allez-vous prêter particulièrement attention? Les vagabonds, les criminels. Donc, je crois qu'on va aller avec les criminels. Ça rajoute de la sécurité avec les tribunaux. Donc, le temps avance, avance. On devrait. En fait, on va sûrement tanker. Oh, modifier le quartier. On va sûrement tomber dans le négatif là, dans pas très longtemps. Et voilà, c'est fait.
Donc là, on devrait tomber dans le négatif. Yes, on tombe dans le négatif, ça veut dire que je peux venir ici. Oh, budget des cliniques. Saint-Nicolas parle de l'argent chaque jour. Nous devons réduire nos dépenses au plus vite, affirme le Parti libéral-démocrate, qui propose de réduire le budget des cliniques. Allez-vous présenter la proposition au conseil municipal? Oui, mais je vais m'y... Donc, c'est qui? C'est eux? Oui, mais je vais m'y opposer. Donc, les effets, c'est que... On sait pas quoi. Moins 2 de Goodwill avec ça. Changement d'opinion de eux, c'est à plus 15. Donc, ça va à leur avantage. Donc, moi, ce que je veux faire pendant qu'on a le temps, c'est changer les impôts. Je vais changer les impôts. Je vais réduire les impôts même un petit peu ici. Puis je vais augmenter. Oh non. Je vais augmenter plus les impôts sur les entreprises. Donc on propose ça. On regarde. Modifier les impôts. Ça devrait passer. Pas de problème. Donc le temps passe. Le temps passe. Juste regarder ici. Vite, vite. C'est-tu ici? Non. C'est de l'autre côté. Donc, aucun problème pour l'instant avec les routes. Ici, on avait mis les routes en gravier. Ici, c'est les routes en sable. Ici, c'est les routes en gravier ou pavé. Je ne me souviens plus. Ouf, le Parti national souverain rapporte les élections. Ok, ok, ok. Donc, il faut que les impôts changent en pas long. Là, on va t'arrêter de taquer notre budget, c'est un méchant temps. Modifier les impôts. Ça va passer, ça n'a pas de problème. Donc, un beau vote de passer. Et changement de financement. Pour les cliniques, commencer, ça va passer, pas de problème. Donc on devrait avoir qu'un changement significatif dans notre budget. Et voilà, tout le monde n'est pas content. Ouf, encore là, vous voyez. J'ai toujours expliqué que les Américains ne désiraient pas d'en boire un verre que d'avoir le droit d'en prendre un s'ils devaient en avoir envie. Will Rogers, ça donne le droit à une couple de faire le décret, les ateliers pour les pauvres et les écoles professionnelles, l'ère des technologies. On a fini l'ère 1 et voilà, on arrive à l'ère 2. Donc ici, hôpital central, université centrale électrique et les tribunaux. Donc on va commencer avec les tribunaux. Tiens, on livre votre butin de secret. Ouais, c'est bon, on va commencer avec ça. J'en ai ici. Je vais regarder si on a des décrets qu'on pourrait passer facilement. Autorité de sécurité, plus 2 à la clinique. Changement de lieu de travail, votre classe moyenne. Et on va proposer ça, ok. Interdiction à la prostitution, ok, ok. Licence de la vente d'alcool. La demande va augmenter pour les pubs ou diminuer pour les pubs. Brigade pompiers publics proposée, c'est bon. Aide au couvre-feu. Interdiction de flâner, c'est quoi? Réclamation des jeux d'argent. Puis, c'est quoi l'autre? Interdire les jeux d'argent. Non, on va pas les interdire. Donc, ce que je vais faire pause par 2 secondes. Je vais juste me regarder où est-ce qu'on en est. Je vais devoir venir ici. Et augmenter les taxes. Et voilà, proposer. Ok. Donc okay, voilà, là on est en train de tanker notre budget, ça n'a pas de bon sens. Parce que là, c'est vraiment important que les taxes augmentent. Donc on veut que les taxes augmentent ici. Ici, on a beaucoup de magasins qui sont en faillite. Comme on a dit, on est dans une récession économique. Faudrait que je fasse plus si je veux que le temps avance. Des belles petites maisons. Ici, on se promène déjà en carrosse. C'est très bien, très bien. On fait de l'argent, on n'a même pas changé les impôts. La crise économique vient de finir. Si vous voyez, tout a recommencé à faire de l'argent. On fait déjà 15 000 $, puis là, on va changer nos impôts dedans. Et voilà. C'est quoi qu'on a ici? Autorité de sécurité. Commencer le vote, ça va passer.
Sans aucun problème, excusez-moi. Voilà, c'est pas de problème. Les pompiers publics, ça va passer, pas de problème. Donc, on va regarder ce que ça donnait déjà. J'ai pas vraiment regardé au début. Ça nous donne. Question d'un pompier. Bonus de la sécurité pour tous les citoyens. Puis, 15 ans de pompier plus un bonus de sécurité. Ok, c'est bon. Et les impôts qui vont passer sans aucun problème aussi. Donc, je vous rappelle, on a 61 sièges. Donc, ça prend seulement 31. 31 pour passer. Quitter. On retourne ici. Et on a plus 15 000. On a plus 53 000. Donc, le budget va recommencer à monter. Ici, on peut voir, pour ceux qui n'ont pas écouté les autres épisodes, donc j'ai 24 de matière grise qui se fait par tour. J'ai 2 millions dans mon compte de banque personnel. Oh, le compte Espoir une Espoir pour une économie en berne. Les Français, les Anglais envahissent l'Empire russe. Production en masse d'acier à Bernier. Les partis, j'ai plus 100 qu'eux autres, plus de prestige. Et ça, c'est le contre. Un mariage scandaleux. Vous visitez Beechdale pour assister à un dîner avec la noblesse locale. Les dames et les gentilshommes n'ont qu'un seul sujet de discussion aux lèvres, le mariage scandaleux d'Anton von Scunchbore, alors qu'il vient de fêter ses 45 ans et a décidé d'épouser une jeune domestique, Lucilla, et qui ne manque que de contrarier sa famille. La femme assise à côté de vous aimerait connaître votre avis. Que lui répondez-vous? Donc, j'ai choisi, j'étais son père, je les hériterais. C'était peut-être vraiment de l'amour, n'est-ce pas romantique? Essayer de faire une mauvaise blague. Donc, on va dire ça. Ça fait quoi? Ça nous a amené point vers Modin. Plus un. Donc, et voilà, interdit de travailler les enfants. Est-ce que ça va passer? Oh, ça passe sans problème. Et voilà, 43 versus 18. Évidemment, le parti qui nous aime pas vote contre. Donc, on vous quitte. Enfin, plus de travail dangereux pour les enfants. La résolution australienne écrasée. La loyauté saurienne fait l'objet de tous les éloges. Donc, beaucoup plus. Ça nous prend le théâtre. Est-ce qu'on a un théâtre? Amenez aussi au conseil. À la suite de la révélation d'un scandale sexuel impliquant le conseiller municipal libéral démocrate, les relations de ce parti avec les psychocrates sont rafraîchies. C'est d'accord avec les conservateurs, ridiculisant en public le conseiller, annoncé publiquement les libéraux sont déviants. Vous estimez que les conservateurs exagèrent un peu. Donc, les citoyens qui ont voté pour ce parti sont plus enclins à recommencer. Partie physiocratique plus 10, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, ce que je vais regarder, c'est si on a un théâtre modifié, on laisse ça comme ça, on laisse ça comme ça. On devrait avoir le théâtre, et voilà, le théâtre est ici. Il doit y avoir déjà quelque chose ici, ouais. On va mettre le théâtre comme ceci. Vote prioritaire, et voilà. Donc, moi je garde mon argent pour plus tard, on va sûrement en avoir besoin. Un petit peu plus tard, on va juste augmenter ici les divertissements moyens de la ville pour que ça soit un petit peu plus haut. Modifier le quartier, on fait le vote. Ça passe sans problème. Et on quitte, et voilà. Donc on est rendu à 1 ici, c'est quand même un petit peu mieux. 2. 2, c'est quand même bien, même si on aurait besoin de plus que 2. Environnement de travail sûr. Par la présente, nous présentons d'offrir la meilleure garantie de sécurité possible aux citoyens sur leur lieu de travail. Cela améliorera les conditions de santé des citoyens, mais risque d'être une charge supplémentaire pour les entreprises, bien sûr. Qu'est-ce que ça donne? Santé. Plus de matière grise à l'université. Oh, on va soutenir ça. Ok, une sécurité au travail, un débat. Les Français et les Anglais envahissent l'Empire russe. Production en masse d'acier à Bessemer. Ouf, on est dans le trou un peu là. Et on fait pas d'argent toujours. Donc on va aller ici. Même chose que d'habitude. On augmente
C'est le temps d'augmenter les impôts lorsque on fait pas beaucoup d'argent même. Parce que les partis, ils nous soutiennent dans ce temps-là. On va aller voir les décrets, si on a des décrets nouveaux. On a un nouveau décret? Non. Donc on modifie les impôts. Améliorer les conditions de travail. Ici, ce qui nous gâche un petit peu, c'est ce secteur-là ici. Là. Ça rush un petit peu là. Les entreprises, ils capotent un peu ici. Là. Et je comprends pas pourquoi. Mais c'est correct, c'est pas grave. Modifier les impôts. Je crois que les impôts doivent être pas mal trop hauts. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de nous proposer. Je vais essayer de nous proposer un nouveau quartier. Connecter ça ici, comme ça, comme ça. Et voilà, un nouveau petit quartier, on va faire de l'air quartier dense. Confirmer, on va laisser, on va mettre de l'industriel, on va essayer de confirmer ça comme ça. Confirmer. Confirmer, proposer. Ouf! Quand on fait pas d'argent, ils veulent vraiment rien savoir. On va utiliser nos propres fonds. Et voilà, comme ça le vote, ils votent pas. Puis nous autres, on a des entreprises qui se créent ici, donc plus d'argent qui rentre. Est-ce que je vais essayer un grand bal? Un grand bal. Voilà un corps de cirque que vous tentez, que vous tenez les rênes de la ville. Vous décidez d'organiser un grand bal pour célébrer cette étape. Vous pensiez que vous vous pensez que ce serait uniquement une fête où la haute société viendrait se montrer, mais vous êtes surpris de constater que les femmes de famille aristocrates font tout leur possible pour être vues en votre compagnie. Politiquement parlant, cela pourrait être interpellé comme une preuve à l'intérêt que vous portez tout particulièrement à la noblesse, les bourgeois ou quiconque est au sommet de l'échelle sociale. Les bourgeois. Donc, oups, ça nous a gâté du goodwill. Ok, c'est carré. Je ne sais rien, le droit de l'homme ou ceux de la femme. Les droits de l'homme sont les seuls que je reconnaisse. Art de technologie. Donc, ici, ça nous donne la combustion qui nous donne des caissons de pompiers. Ici, le réseau électrique. Lancer la recherche. Droit de représentation. La société est devenue si complexe qu'il est devenu possible de donner l'éducation uniquement aux élites. Mais plus des gens normaux sont éduqués, plus ils ont le mot à dire et les questions liées à leur quotidien. Les droits de représentation sont devenus un sujet brûlant. À l'administration de votre ville essaie de désormais de prédire les réponses qu'elle devra donner à ses citoyens. Le scrutin doit être secret. Bien sûr. Ok. Ok. On a-tu déjà pris ça? Oui, le bulletin secret. Commencer le vote. On a déjà gagné. Ça sera pas un problème. On quitte ça. On retourne ici. Ce que je voulais faire, par contre, ici, je vais essayer de... Imposition. Modifier les impôts. Je vais taxer un peu moins. Comme ça. Taxer beaucoup moins les entreprises. Taxer un peu plus le monde. Pour que ce secteur-là ici, il capote un peu moins. Là. Donc, et voilà. On est bientôt à 2600 personnes. Le Parti national soit remporte les élections. Descendant du singe. Ok. Ici, je l'ai construit surtout pour les entreprises. Plusieurs petits magasins vont se construire tranquillement. Enfin, illégitime.
45 ans, un homme profondément religieux. Oh, t'as vu, ça commence ici. Le conseiller municipal, conservateur. Léopold von Thorn, 45 ans, est un homme profondément religieux qui a une femme et trois filles. Vous avez demandé à votre assistant de trouver des informations compromettantes. Et ça n'a pas traîné. Il a en effet découvert qu'il a un quatrième enfant, un fils de 10 ans, qu'il a eu avec une domestique. Vonton a envoyé la mère de l'enfant au Népal pour éviter le scandale et il a apporté le soutien financier secret. C'est très bon. Dès demain, ce sera la une des journaux. Non, on va garder ça dans notre back pocket, comme on pourrait dire. Modification des impôts, commencer. Tout le monde est d'accord avec ça. On fait beaucoup d'argent présentement. On va texter un peu moins les entreprises, un petit peu plus le monde. Ça va permettre à ce beau monde-là ici d'arrêter de d'avoir les entreprises qui pètent toujours. Donc si ça va bien. Notre secteur là va bien. Je sais que ça va virer. Ça va virer jusque-là. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Ok, donc pas mal de map. On a du chemin à faire avant d'arriver au bout. Est-ce qu'il y a... Non, c'est pas ça que je vais faire. Retour au jeu. Confirmer qu'on veut canceller ça. Donc ici en haut, on a toujours pas les lumières. On a rien de ça. C'est pas important pour tout de suite. On va juste se ramasser de l'argent pour l'instant. On va banquer notre argent un tout petit peu. On a l'électricité ici. Les innovations liées à l'électricité se répandent aux quatre coins du monde. Maintenant que l'administration de votre ville a pris connaissance de ce concept, une décision va devoir être prise. Sur quoi allez-vous concentrer vos efforts? Sur la production d'électricité? Sur l'acheminement d'électricité? Sur l'usage? Sur les usages de l'électricité? Donc, je crois que l'overproduction, ça va nous apporter de l'argent. Ça va nous donner plus d'argent probablement avec les centrales ici. Sur l'acheminement d'électricité, ça devrait coûter moins cher. Sur l'usage d'électricité. J'ai juste dans ces deux-là, je vais essayer qu'il est là, ça ici. Donc, changement mensuel des dépenses pour le réseau électrique qui est moins de 20%, donc c'est bon ça. Amélioration des conditions de travail. Ça va... D'après moi, ça passe très facilement. Et oui, ça va passer. Vote sur la loi de sécurité au travail. Premier roman soigné écrit par une femme. Production d'un masque d'acier. Donc, et voilà. Donc, et voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. On a déjà fait 23 minutes. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, cliquez un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne. On se revoit dans un prochain vidéo. À la prochaine. Vini14, out.